Et c'est Jason qui a présenté nous et travail ça. Et jeune demoiselle, ça que nous avec nous là, c'est une demoiselle qui fait coquillole et qui fait coup de café tout. Et qui n'a présenté au lit, gardez-le pour eux, on va comment au monde est capable d'apprendre à faire et coquillole avec coup de café. Il y a des gens qui parlent de gré café. Très bientôt, nous avons reste bagage ça pour nous faire comprendre comment on fait un coup de café. Et demoiselle, nous avec vous là, et comment vous pensez que vous avez un café en coquillole? Avant de commencer, je dis bonsoir à tout le monde qui suit moi sur la chaîne. Pas hésiter à abonner et pas hésiter à mettre un petit pouce. Bon, pour les gens qui font coquillole, vous avez besoin de jus, figues, cannelle, beurre marianne surtout, et pas n'importe qui beurre. Avec du sucre déjà, muscade, cannelle, lait, avec besoin de tout ça. Lorsque vous avez tout ingrédient ça, que je vous montre dans l'autre vidéo, mais soeur, je vous dis que ça n'a pas besoin. Mais, vous prenez le beurre là, vous battez avant bien battre. Après ça, vous mettez le sucre, vous battez bien battre avec le sucre là pour les vins vraiment, 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 ce qu'on a en crème. Après ça, on mettait tout l'autre ingrédient. Après ça, on bat net, 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 net. Et puis, on vient mettre sous du feu et pour frire. Et comme ça, pour le moment, je dis nous, qu'il y a un café coquille. Je suis content avec nous. Nous avons une autre vidéo très bientôt. Bye bye! Merci.